wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Alors, les amis, je viens juste de record et. Enfin, j'ai lancé mon record parce que j'attends. Je vais. Alors, il y a Viridjun qui est apparu. Je ne sais pas où. Il y a Viridjun qui est apparu. Je sais pas où il est. Je voudrais justement le rencontrer. Mais malheureusement, on pourra pas le capturer. J'ai... Voilà, là voilà. Je vais. Madame, vous pouvez prendre une photo avec moi? Ah bah nickel, madame. Vous pouvez. Madame, arrêtez de donner des fesses et laissez-moi vous prendre une belle photo. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un petit selfie? Allez. Madame, s'il vous plaît. Donc malheureusement, c'est un Pokémon légendaire que. C'est un de mes Pokémon préférés, mais malheureusement. J'ai trouvé un angle d'aile en fait. J'essaie de prendre une belle photo d'aile mais j'arrive pas en fait. Alors je me suis mis en mode comme mieux vite fait mais c'est tout. Ah oh, je suis deg. Il est au 45 en vrai. On va tenter un truc. Alors je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais me procéder. On va tenter de capturer Viridjun si on peut, si on se dépêche. Voilà. On va tenter d'envoyer Nidorino dès le début de partie. Où est-elle? Elle était par là-bas. Allez là. Arrête de manger mon herbe. Prévention. Bélier. Ok. Elle s'affiche des dégâts. Alors faut voir très très gaffe. Il faut qu'on tente vraiment de l'avoir. Prévention. Prévention protège l'équipe. Vengeance. Ah la vengeance en plus. Ça va être très très galère. On va tenter de capturer. Alors il y a Bélator qui est là. Et voilà. Bélier. Ah attends, mais j'ai tombé alors il est tanké. Alors on va plus tenter de faire. Après il est. Elle est du type combat donc je peux pas jouer vraiment avec fin d'attaque. En vrai si j'allais je serais mort de rire. Elle va détruire tout mon champ mais c'est pas trop grave. Ok elle dit bélier. 1 2 Ok 2. Elle fait bélier, elle s'affiche des dégâts elle-même donc en fait c'est dangereux. Carbol, ah son gros bol. Oh putain direct, là, c'est direct à libérer. Ok, venez là, la tank. 1, 2, ok, 2. Heureusement, elle tombe KO. Et il reste Evolia. Sombre bol, on tente. 1, 2, 3, 4. Ah putain. C'est chiant parce qu'en fait, les amis, je suis en train de farmer tranquillement et je tombe sur Viridjun et un peu comme préféré. Et après, pour l'avoir, ça me fait trop peur. Bélier, putain. J'aimerais trop l'avoir en fait. Et je sais que malheureusement, ce sera un peu compliqué. J'ai Giga Chansus, Darvenin, et malheureusement, je l'ai empoisonné. Franchement, là, c'est gagné.
On va tenter de faire que des Super Bowl maintenant. On en a 20. On peut tenter. Ok, elle se libère. C'est pas trop grave. Elle passe en. Ah ouais, mais elle fait bélier. Allez, il faut tenter de la voir. Hein. Oh putain. Oh ok, elle a fait encore nouveau. Je sais pas ce qu'elle a fait. Et, en fait, j'espère sincèrement la voir. C'est un meuble comme légendaire préféré. Franchement, la voir serait vraiment mais incroyable. Vengeance. Malheureusement. Un direct. Oh, j'ai trop peur. J'ai pas envie de la porte. J'ai pas envie de perdre les gens. Putain, mais c'était peut-être ça pour l'épisode 3. Épisode 3, on devait se aller dans le désert. Ok. Je panique. On commence littéralement à paniquer. Je ne vois plus un Pokéball, donc je sais plus si je veux dire si c'était proche ou pas. Ok, elle fait giga sensus. On va envoyer tout Raptor. On envoie une sombre vol. 1, 2, 3. Giga sensus, certes, mais. Ouais, on va envoyer les Pokémon de type normal, comme ça va la forcer tête à venir chercher son Giga Sensus. On ne voit pas la Pokéball. Je ne vois même pas en fait si je l'ai ou pas. Marqueo. Et c'est l'échec. Putain, mais je la voulais. Putain, à quoi en fait ça sert à quoi de farmer pour préparer les épisodes? C'était un cave de capture légendaire. Je l'avais trop bien joué. Et à un moment c'était à 3. J'ai vu la Pokéball tourner à 3. Et c'est pas top. 3, c'est à dire que. En fait, les amis, pour vous expliquer, si jamais un Pokémon allait tourner à 4, c'était quoi qu'il vienne capturer. Et je suis dégoûté, c'est à dire qu'elle aurait tourné une fois de plus, j'avais viré John dans l'équipe. Bon bah on va se dire du coup bah on va pouvoir lancer le nouveau épisode 3 en compagnie de Beator s'il a pas et s'il travaille pas demain. Alors je pensais que c'est tu faisais juste un petit intro pour oui mais alors du coup bah, il manque des choses et tout. Alors, ici, je me collège vite, nous entrons pour un nouvel épisode sur Pixelmon. Mais en vrai, bah, j'ai pas beaucoup parlé dès le début parce que j'ai tombé sur Ferijum et je voulais le capturer. Et malheureusement, c'est un échec assez, assez cuisant. Et je suis un peu triste. Alors, je vais vous faire montrer un petit peu la maison. Attends, je vais manger ma petite clé de cru, je m'en fous. J'irai récupérer un peu. Alors ce que vous pouvez voir c'est la maison d'avant. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc bah là je suis avec Minator. Alors j'ai commencé à améliorer un peu plus ma maison. Donc là j'ai fait alors la cuisine elle m'a l'air nickel, j'ai pas à toucher. En revanche j'ai fait un PC ici, comme ça au moins ça va m'aider à préparer mes Pokémon préférés. Enfin mes Pokémon qui seront utiles. Et les Pokémon, alors je suis tombé sur un Pikachu avec une casquette. Donc voilà. J'ai envie de l'appeler Sacha, mais c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez, oui ou non, avoir Sacha dans votre dans l'équipe. Je me suis fait une petite horloge pour un petit peu de déco. Qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Alors, salle de bain, malheureusement, il faut que j'aille chercher du quartz. Qu'on va faire ça ensemble. Avec une pioche. Mon bureau, alors mon bureau, ce que j'ai fait depuis le temps, j'ai fait alors une bibliothèque, enfin une petite étagère, mais il faut que je crée des livres. J'ai fait un bureau, j'ai mis 4 livres et un pot de fleurs pour dire que voilà, ça fait un peu de niveau. Hop, on peut travailler comme ça. Table d'enchant, voilà. Bon, j'ai commencé à préparer tranquillement ma bibliothèque pour acheter mes épées. Enfin, mes épées parce que j'étais. Alors, j'ai fait un petit check dans le désert. J'ai rien pris. J'ai pas pris de ressources. Parce que sinon, j'aurais commencé à faire la salle de bain. Ici, c'est ma chambre. Donc, vous voyez que j'ai quasiment pas encore fait grand chose. J'ai commencé à faire un bureau. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Mais voilà. Voilà. Ma poubelle. Je peux jeter mes objets qui me servent plus à rien. Donc ça c'est pratique.
Alors j'ai trouvé ça pour Pikachu. Alors qu'est-ce que j'ai fait entre temps? J'ai enlevé les clôtures. Parce que bah avec Melator on s'est dit bah ça fait pas assez beau. Et du coup j'ai enlevé les clôtures et dès que je pourrais je mettrai un ranch avec tous les évolis. Enfin si c'est possible parce que je sais pas combien on peut mettre de Pokémon par rang. Ranch. Donc c'est la machine pour faire des bébés évolis. Ou des œufs et tout. Mais du coup je sais pas. Ensuite bah du coup ici j'ai créé une enclume. J'ai fait une enclume manuelle pour farmer plus rapidement. Je récupère ceci. Alors ce qu'on pourra faire c'est que dans l'épisode 4, s'il n'y a pas de problème, on pourra gentiment partir dans l'End et trouver des Absol, des Tarsal, tous les petits Pokémon qu'on rencontre habituellement. Il faut que je fasse aussi des Hyper Balls. J'en ai que deux. J'ai une Rapid Ball et malheureusement, ça va pas faire grand-chose. On va partir soigner Pokémon et on va aller dans le... On va partir dans le Nether. En compagnie de Méator qui est toujours là. Ah oui, j'avais fait une sonnette. Je suis tout. Je sais pas si on l'entendait sur le... Non, tu dois entendre. Voilà, j'ai fait une petite sonnette. Côté chambre, j'ai pas touché. Bon, Viridium, elle a un peu cassé le champ. En se battant contre moi. Alors, j'ai commencé à faire un portail du Nether, comme j'avais annoncé pour certains pour l'épisode 3. Ensuite, j'ai commencé. Alors, j'ai voulu faire un petit peu de ça pour faire une petite décoration, mais je pense que je vais plutôt l'importer là-bas. Donc, ce que vous voyez, c'est que là-bas, je vais manger une poire pour voir comment elle donne. Elle donne. Ah oui, elle donne 3, enfin, quasiment 3. Alors, ici, je voulais faire. J'ai commencé à faire ma petite plage à moi. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à part un parapluie. Hein. Arrêtez de. Les éclairs, c'est fini. J'ai commencé à préparer la plage, les serviettes de plage et tout. Donc bon, je sais pas encore tout, mais il faudra des slime balls et tout. Ça va être un peu compliqué à farmer. Faudra que je trouve des maracas, enfin des maracas. Coco Evoli, comment tu vas? Alors femelle, sac à dos, rapid ball. Si on peut l'avoir, comme ça on pourra gentiment farmer les familles des Evoli plus rapidement. Hein? 2, 3, ok. Bon, bah, il m'a fait des toits, un petit TG. Donc là, il est empoisonné. Bon, bah, pas dire de là, ça va partir assez vite. On va faire une petite Honor Ball, par respect pour le Pokémon. 1, 2, 3, 4, c'est bon là. Voilà. Alors, moi, vous allez dire souvent, mais Junko, pourquoi tu captures les Pokémon avec une Honor Ball alors que c'est la Pokémon la plus nulle du jeu? Enfin. C'est une des Pokémon les plus nuls, suivi de la Pokéball classique. Oui, mais moi j'aime bien les Honor Balls, je trouve ça stylé de capturer un Pokémon avec. Donc excusez-moi si je peux. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le générateur, okay, excusez-moi. Sur ce, on va pas tarder à partir dans le. Attendez, je prends un peu de blé, sinon on va se faire avoir. Alors bon, je vais sûrement accélérer ça au début, dans le montage. Parce qu'il nous faudra gentiment quand même de quoi nous nourrir là-bas. Direction. Attends. Direction le Nether. Allez, on y va. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais vu en entrant vite fait dans le Nether. Et j'ai sincèrement. Donc déjà il y a du quartz qui me sera utile. Donc en fait moi je vais faire des baignoires et tout avec le quartz. Donc voilà, ça sera toujours utile. Et ah, des chars Thor, il m'en faut.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi il me faut des charters. Les charters, en fait, bon, enfin, j'espère que Aiden peut tanker au moins une attaque. Malheureusement, je pense que ce sera non. On va essayer de. Poudre. Ok, il s'est endormi. C'est une bonne nouvelle. Il fait mur de fer. Bon, il est lent, donc ça nous permet quand même de l'avantage sur lui. Je vais tenter de faire un reflet pour esquiver l'attaque. On va tenter de faire vraiment des esquives de reflet. Bon, s'il fait que mourir, en fait, ça va m'arranger pour la vidéo. J'ai pas besoin de faire des allers-retours. Ok, Magorgo. étourville a survécu, je ne sais pas comment il a fait. Je vous avoue que c'est un grand mystère pour moi. Magorgo. Ok, Volcaropod, on va le laisser tranquille, le gazier. Donc, il faudra qu'on va mettre un Magorgo. point sur le portail. Parce que sinon, on va se faire avoir si jamais on part en exploration de longue durée. Et sinon, comment tu vas, Binator, depuis le temps? Qu'est-ce que tu fais de beau? Comment ça va? Je vis, je respire, je souffre. Je vis la joie. Alors, du quartz, enfin du pierre lumineuse, il nous en faut beaucoup. Ah, je me fais attaquer par un caillou. J'ai plus de Pokémon du type combat qui peuvent l'embêter. On va faire un cyclone. C'est bon. C'est passé, il nous a laissé tranquille pendant un petit moment, il va revenir nous embêter. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, du quartz, je sais plus combien on fait. Ok, donc c'est 4 pour un bloc, donc ça devrait encore à peu près aller. J'ai oublié de chercher du bois, donc je suis un peu con. J'ai bien oublié ma table de ma mon établi. Oh mais non. Oh, niveau 50? Niveau 50? Ok, c'est bon. Alors, il faut pas paniquer. Je suis un petit peu dans la merde. J'ai oublié quasiment toutes mes affaires à la maison. Je me demande qu'est-ce que c'est en vrai ceci. Nucleus. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, franchement, je vous avoue que c'est la première fois que je découvre. Ok, j'entends une sorte de ruche. Alors franchement, j'avoue que j'ai un petit peu peur. Alors là, je vous avoue que j'ai très 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 peur. Je vous avoue que je cache pas que j'ai un petit peu peur. Ah, j'ai peur. C'est quoi ça? Mais arrêtez de gueuler!
J'ai obligé de baisser mon micro. Ah. Mourez! C'est quoi ça? Putain, c'est pas possible. Mais non, mais... on m'a en plus, hein. C'est incroyable. C'est quoi ça? Wow. Du miel et je sais pas quoi en faire. Alors je vous avoue que j'ai quand même très peur. Et bon, alors c'est une expérience à ne pas tenter chez soi. Ne tentez jamais de piquer le miel des abeilles. C'est très mauvais. Et c'est très dangereux surtout. J'ai failli mourir pour ça en plus. Voilà, ça je prends le slime. Excusez-moi, j'ai un peu peur. Alors, comment je vais faire pour sortir descendre?
Ok, c'est une très mauvaise idée. Well, bitch, you guessed it. Ok, alors on descend à la surface avec un petit peu de peur quand même. Genre, attends, petit pas que tout le miel se barre. C'est la panique.